vous allez bien. On vous retrouve en ce petit mardi. On est le 18 de souvenir. On est le 18. Je viens de rentrer des courses. Ça y est, le grand bazar est là. Je vous ai tourné le retour de course. Vous l'aurez vu avant ce vlog normalement. Donc voilà, vous l'avez. Le gros bazar arrangé. Et ouais, les courses chez les familles nombreuses, c'est toujours quelque chose. Donc maintenant, bah, il faut que je range tout ça. Je vous avoue que j'ai bien galéré à faire mes courses ce matin. Bah, je voulais y aller de bonne heure parce que bah, après, il y a les, bus, les grèves des bus, tout ça et tout. Donc, je savais que ça allait être la course qu'il faut récupérer Alison, enfin récupérer Myron, récupérer Alison, récupérer Maëlys. Ça va être vraiment la course. Alors, le chéri Soko me dit, bah, au pire, je vais les récupérer moi et tu vas après. Je dis, ouais, mais après, ça va être tard. Donc, du coup, 8h15, j'étais devant. Ça ouvre à 8h30. J'ai gribouillé... deux conneries sur la liste, genre pour histoire de prendre quelques plats. D'habitude, vous savez, je fais toujours ma liste de courses, que je sais qu'est-ce que je veux prendre, qu'est-ce que plat je vais faire avec, etc. C'est hyper organisé. Et là, depuis quelques temps, c'est une catastrophe. Faut se le dire clairement. Hein. C'est vraiment le bordel. Donc, bah, écoutez, j'ai gribouillé quelques petits trucs, quelques petits plats qui me venaient comme ça. Et puis après, j'ai fait au freestyle. Tant qu'on a à manger. C'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que ça a augmenté? C'est un truc de fou. Quand vous passez à la caisse, vous dites quand même, quoi. Quand même. Impressionnant. Les gars, c'est ce que je disais dans le retour de course. Les gars, en fait, ils nous font chier avec l'essence. Ils nous mettent le focus sur l'essence. Comme ça, au moins, tout le monde est en panique. L'essence, 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 l'essence. Et comme ça, ils nous le mettent bien profond sur d'autres choses. Et ils croient qu'on va arriver en caisse et on va se dire... Ah oh ben non, tout est normal. Non, non, les gars, c'est nous qu'on fait nos comptes. On se rend compte que quand on passe en caisse, ça fait mal au cul, clairement. Bref, j'ai pas pris mes, compléments, rien du tout. Et en plus, je les avais pas pris avec moi à Majorque, donc là, je les ai rattaqués hier. Donc voilà, on va se remettre d'aplomb parce que, je sais même pas si je le disais dans le vlog ou pas, j'ai pris 2,8 kg en 4 jours. Bon, après, c'est des kilos, vous savez, c'est surtout de l'eau, etc. Je me sentais gonflée, en plus, voilà, j'avais mes règles. Donc, je me sentais très gonflée, puis la mauvaise bouffe, pas du tout d'hydratation, je buvais quasiment rien. Donc là, autant vous dire que mes bouteilles d'eau, elles sont remplies et depuis hier, je bois, je passe ma vie à pisser, mais je bois. Et puis, bah, je reprends une alimentation correcte, hein, je fais attention quand même à ce que je mange, etc. Donc, ça n'a pas été le cas là-bas. Voilà, puis en plus, là-bas, c'est bien gras, quoi, un truc de fou. Je vous jure, j'hallucinais le gras qu'il pouvait avoir là-bas dedans, dans les repas. Enfin, pas dans les, oui, pas dans les repas, mais... on a mangé beaucoup de tapas, surtout. Et c'était du pain avec de l'huile d'olive, du machin. C'était très, très gras. Très bon, hein. Très bon, mais très gras. Donc, mon ventre n'était pas très, très, très coopératif. Donc, voilà, hein, vous le savez. Je vais me faire un petit café aussi, brûle-graisse après aussi. Mais voilà, ça, c'est vraiment mon petit plaisir. Ce café, je vous jure, je l'aime trop d'amour. Mais un truc de fou. Et en plus, il agit bien. Donc voilà. Et avec une copine, on s'est pesé toutes les deux hier. Avec une fille qui est partie avec moi, avec Caro. On s'est pesé. On a dit, bon, on se dit combien on fait, du coup, le résultat. Donc elle aussi, elle a 2 kilos en plus. Moi, j'ai 2,8 kg. Elle a 2 kilos en plus. Mais bon, elle est déjà bien fine, elle, de base. Et on a dit, on se fait un point vendredi. On se check, savoir combien on aura perdu de lundi à vendredi, quoi. Voilà, petit truc. Mais moi, j'ai mes petits trucs en plus d'elle. Voilà. Donc je triche un peu, on va dire. Bref, allez, je range parce qu'il y a quand même du frais et tout. Et ben, et puis je vous reprends. Bon ben voilà. Quand je vous dis que ça, il n'y a rien de valable là. Regardez-moi ça. Bon, mais il y a du vert partout. Il y a de l'oignon partout. J'adore. C'est franchement pas la journée aujourd'hui. Bon, du coup, ça y est. Il est 11h. Toutes les courses sont rangées. J'avais mis Maurice en route avant de partir. Mais là, il faut que je fasse bah, les escaliers, sous la cage, tout ça. Parce que c'est une catastrophe. Il y en a une d'entre vous qui m'a parlé d'un truc à donner aux chiens. Et je ne sais plus qui, je ne sais plus où est-ce qu'elle m'en a parlé. Elle m'a dit, tiens, tu devrais tester ça. Moi, ça a été magique, genre au bout de quelques jours seulement. Et je n'arrive plus à me souvenir qui m'a parlé de ce produit. Donc,
si tu passes par là, que tu te reconnais, est-ce que tu peux me renvoyer un petit message, que je sache où trouver notre conversation, on en avait parlé, je ne sais plus, c'est un truc de fou, parce que là, c'est... moi, je peux plus. C'est vraiment une cata, je vais vous montrer, j'ai tout aspiré à fond hier, et regardez dans les taxis. Regardez. Je peux plus. Je sais plus quoi faire de tes poils. Je vais te tendre, mon chien. Je vais te tendre. Il y a quelque chose. Ben, du coup, on est good. J'ai fini de faire l'aspi. Le linge est en train de tourner. Voilà, c'est une bonne chose de faite. Donc, je vais remettre en place Monsieur Koukéo, qui a bossé hier soir, qui bossera ce soir aussi. Parce que ce soir, je vais leur refaire des lentilles viande hachée. J'en avais fait il y a une dizaine de jours, je crois. Mais ils aiment tellement ça et moi, j'ai tellement besoin de faire en ce moment que... Eh bien, écoutez, ce sera encore des lentilles ce soir. Mais bon, voilà, ils aiment trop ça. Maïs, ça se régale aussi. Donc, autant en profiter. Il n'y a pas grand chose que moi, j'adore et qu'eux, ils adorent aussi. Ils sont un petit peu compliqués, ces enfants. Genre les légumes et tout, compliqué pour leur faire manger des légumes. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, c'est où déjà ça? Ça va là. Tac. Donc, pour midi, je sais même pas quoi manger, je vous avoue. Je crois qu'on a du pain, vous savez, à mettre au four. Là, j'adore, c'est bien croustillant et tout après. Et je crois que ça va être ça avec des... ça va pas être du tout healthy, hein, midi. Mais je crois que ça va être ça avec des... Comment ça s'appelle? Des sardines. J'ai une boîte de sardines. Et j'avais pris le bleu, là, que j'avais pris pendant le retour de course. Et je vais prendre un bout de fromage avec. J'ai pas très, très faim. En fait, je me sens tellement fatiguée que j'ai pas extrêmement faim non plus. Voilà. Donc ce sera très bien pour ce midi. Et puis ce soir, les lentilles saucisses. Ouais, les lentilles viande hachée. Les lentilles viande hachée. Et à la fois, j'aurais bien envie de manger des légumes ce soir. Maintenant, je me ferai moi une petite poêlée de légumes que j'ai. Et eux, je leur ferai lentilles saucisses parce que de toute façon, ils mangeront pas. La poêlée de légumes que j'ai une poêlée de légumes chinoise, là, vous savez, avec des... comment ça s'appelle, des champignons, tout ça. Moi, je crois que je me ferai ça ce soir, en fait. Juste ça, poêlée. Ouais, ce sera bien. Je commence à avoir une fatigue qui arrive. Je crois que mon corps, là, il suit plus. Vraiment, vraiment. J'arrive plus. Je crois que les courses de ce matin m'ont vraiment achevé. J'ai rentré tard. Les 4 jours ont été très intenses. Ouais, clairement, on n'a pas arrêté. On n'a fait que bouger, quoi. Donc évidemment, mon corps, je sentais vraiment le dernier jour que ça commençait à être vraiment, vraiment compliqué. Mais c'était tellement kiffant, punaise. Ils nous ont vraiment plus que gâtés. Ils nous ont mis plus que bien. On a vraiment gagné un voyage incroyable, sincèrement. Tout ce qui a été mis en place, tout ce qu'on a fait, tout ça. Enfin, vraiment, c'était ouf. Puis échanger avec tous ces gens qui ont une vision bien à eux de leur évolution, etc. Apprendre un peu plus de chacun. Tout était dans le partage, dans la bienveillance. Vraiment, j'ai passé 4 jours super. Vraiment, vraiment. Chaque personne nous apporte quelque chose, en fait, vous savez. Donc, et puis les fondatrices, elles sont juste tellement accessibles et incroyables. Elles sont vraiment dans l'humain. Cette société, si je dois dire un mot, en fait, c'est vraiment l'humain. Que ce soit en interne, hein, avec les équipes, avec le corporate, etc. Ou que ce soit pour nos clients, en fait. C'est vraiment l'humain qui prône. C'est vraiment s'accrocher à chaque personne, à ses besoins, à ses envies. Enfin, on n'est pas là, c'est ce que je dis à chaque fois, on n'est pas là vendre pour vendre. En fait, c'est pas notre but. Notre but, nous, c'est vraiment de vous trouver vos routines parfaites en vous écoutant, en jonglant avec vos besoins, vos attentes, vos problématiques, vos budgets. On n'est pas là pour faire acheter, en fait. C'est ça que j'aime vraiment. C'est pas du tout l'optique. Alors, peut-être hein, que dans les 5 000 stylistes beauté, même plus, maintenant je crois 6 000 ou je ne sais plus combien,
Peut-être qu'il y en a qui sont comme ça. Évidemment, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, hein, que ce soit un bien ou un mal. Mais moi, en tout cas, voilà, avec moi et la plupart de ceux que je connais, en tout cas de l'industrie, vraiment, c'est prenez l'humain, la bienveillance, le social selling, quoi. Enfin, je veux dire, c'est dans le mot social selling, il y a social. C'est on ne peut pas dire mieux, quoi. Et puis la non-surconsommation, tout ça, que ce soit en produit, tout. Donc, non, vraiment, c'est quelque chose qui, je crois, qui me correspond à 3 000 000 % cette société. Je partirai pour rien au monde. Je suis trop bien là-bas. Je suis trop bien. Je me sens légitime de parler des produits parce que je sais ce qu'ils valent. Je les teste, donc je sais. Voilà. C'est vraiment un gros coup de cœur, cette société. Et puis, quand on vit des moments encore plus proches comme ça et encore plus intenses, c'est encore plus fort, vraiment, ça crée quelque chose d'incroyable, quoi. Quand je revois, bah, chacun fait ses petits réels avec ses petites parties de vidéos qu'ils ont fait, ses photos. Et quand je vois chaque moment de chacun, en fait, je me dis, punaise, mais c'est vrai, en fait, on a vécu des trucs de fou. Quand je vois leurs paroles, ce qu'ils écrivent, on ressent beaucoup la même chose et tout, au niveau de la bienveillance, au niveau de l'humain, c'est kiffant. Franchement, c'est fou d'être tous réunis comme ça, au même endroit, et kiffer ce qu'on fait. Comme ça, quoi. C'est génial. C'est vraiment génial. Bon, allez, je vais finir de ranger mes 2-3 petits trucs de vaisselle que j'avais nettoyés. Et puis, puis je vais mettre du pain à chauffer. Et pour midi, ce sera ça. Rien de fou, mais je vais me poser un petit peu, je pense, après. De toute façon, il faut que je monte le vlog précédent. Donc, ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Allez. Motivation, Cindy, motivation, tu peux le faire. Bon, du coup, les amis, allez, let's go. Il est 3h30. Je file récupérer Myron. Après, je vais récupérer Allison. Et on rentre. Et après, j'irai chercher Maëlys. Voilà, mon chéri. Il vient de rentrer il y a quoi? Une petite demi-heure, on va dire. Une demi-heure, trois quarts d'heure. Un truc comme ça, donc il a mangé tranquillou et tout, et puis il voulait aller chercher les petits tout. J'ai dit non, vas-y, tu viens de manger, tu viens de rentrer du travail, donc je vais y aller moi, tranquille. C'est pas comme si je devais marcher jusqu'à partout. Là, je suis en voiture, donc ça va. Qu'est-ce que j'ai fait depuis que je vous ai laissé? Bah, franchement, rien. J'ai mangé et puis ensuite, je me suis posée, même pas au canapé ni rien. J'ai répondu à 2-3 clientes. Voilà, ce matin j'en ai eu une autre au téléphone. C'était cool de l'avoir d'ailleurs au téléphone. J'aime bien avoir des petits moments avec vous comme ça. Quand on fait vos paniers, quand on se met sur les choses, voilà, que ben, vous avez des problématiques et vous me contactez pour pouvoir, voilà, essayer de trouver quelque chose pour régler ça et tout. J'aime bien ces petits moments qu'on passe. Donc voilà. Et j'ai monté le vlog aussi de Majorque. Et voilà. Et là, j'attends qu'il s'importe dans l'ordinateur et puis je le mettrai en ligne pour 18h. Ce soir, j'ai dit que c'était viande hachée et lentilles. Donc tout va aller dans le cookéo, c'est très bien. On fera les devoirs à Maëlys, je pense, ce soir quand elle rentre. Comme ça, au moins, on est tranquille demain. Je pense qu'on va faire ça, ouais, comme ça au moins. C'est vrai que le mardi soir, j'aime bien qu'elle les fasse. Au moins le mercredi, on est vraiment tranquille. On n'a rien à penser niveau devoir pour elle. Et on se focus sur ceux de Myron, tout ça. Donc voilà. Allez, let's go.
Du coup, voilà ce que ça donne. Je les ai déjà servis, ils sont en train de manger. Il est 19h15, je crois. J'ai pas faim. Je suis en train de perdre complètement ma voix. J'ai hyper mal à la gorge depuis fin de journée, là. Mais genre, vraiment, ça part des oreilles jusque là. J'ai l'impression de... d'avoir mal aux muscles et tout, carrément. Ça pue du cul, cette histoire. Donc, j'espère que je vais pas être malade. Voilà, je me sens toute fiévreuse, toute en vrac. Donc, je me fais un petit lait miel. Voilà. Et ce sera très bien pour ce soir, parce que vraiment, j'ai pas faim. Je me sens toute fatiguée, toute bizarre. Après, c'est peut-être la fatigue hein, aussi, tout simplement. Parce que je crois que j'ai pas touché terre depuis le meet-up. Clairement, j'ai pas trop touché terre. On a pas arrêté. On a voilà, la route pour aller chez mon papa, etc. Le retour, on a enchaîné quasiment tout de suite après avec le voyage, etc. Pas eu le temps de poser le cerveau ni quoi que ce soit. Et je pense que j'ai un gros contre-coup de tout ça, là. Vraiment, vraiment. Donc écoutez, on va clôturer ce petit vlog pour ce soir. On va se coucher vraiment bonne heure. Je crois que c'est nécessaire pour le corps. Et puis de toute façon, voilà, demain, les loups, ils ont encore école. Jeudi, vendredi, après c'est les vacances, ce sera un petit peu plus cool. On pourra un petit peu plus souffler, on va dire. Voilà, voilà. Et puis on verra dans l'état que je me lèverai demain. J'ai l'impression d'être un Robert, clairement. Donc j'espère que le miel, ça va adoucir, ça va me faire un petit peu du bien. Je vais voir ce que je peux prendre là, qu'est-ce que j'ai pour les maux de gorge et tout. Et puis, et ben voilà, on verra bien. Hein. On composera demain, voilà, selon l'état. Bref, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit si vous regardez ce vlog le soir. Sinon, une bonne journée si vous la regardez le matin dans la journée. Et puis, ben, je vous dis à demain. Allez, prenez soin de vous. Ciao. Alors, juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite.